Bonjour à tous, je vais vous faire un nouveau... Je pense que ça va être un impensable. Je vais appeler Jérôme, pour l'instant il n'est pas au courant. Il m'a vu m'entraîner toute l'après-midi, mais il ne sait pas ce que je vais faire. Et à la demande de beaucoup, qui adorent tous les impensables, j'en cherche d'autres, et c'est pour ça que celui-ci vient faire sa venue aujourd'hui. Jérôme ! Viens voir ! Ouais. Je commence à rire parce qu'il est bon. Je me suis entraîné et... J'ai essayé de penser spectateur, je me dis là, galère. Viens voir, viens. Là. J'ai fait ma présentation. Petite vidéo. C'est là, le petit rituel du soir. Je vais tout mettre de vidéos faites avec Jérôme et ainsi dans l'inverse aussi. Et bonjour. Il s'appelle Jérôme, mon alcoolique, mon acolyte. Donc, explication, petit impensable numéro 21. De la bombe. Mais de la bombe, vous allez adorer, j'espère. Disons, je me suis mis à votre place, je me suis dit à la place d'un spectateur qui voit, j'ai dit ça c'est du bonheur. Jeu de cartes. D'accord ? Donc un tour, je connais pas. Je suis obligé de trouver des trucs qui correspondent à ton cerveau qui connaît beaucoup de choses. Et à force de. Tiens, ça il connaît, ah, et on va essayer d'embrouiller pour pas qu'il connaisse. Donc regarde-moi, rien que ça, tu coupes n'importe où et tu regardes la carte et tu mélanges. Je ne peux pas connaître ta carte. Je suis d'accord. Et je ne peux pas savoir où elle se trouve. Encore plus. Puisque tu as mélangé. Et même si toi tu mélanges, bon, tu prends connaissance, tu mélanges, même toi tu ne sais pas où elle se trouve. Je suis d'accord. Donc tu ne peux même pas m'aider mentalement. C'est vrai. Ensuite, une fois que tu as bien mélangé et que tu as posé le jeu, dessus il va y avoir une carte X. Tout à fait. Mais vraiment hasard, le hasard. Je suis d'accord. Tu prends connaissance, tu la remets. Et tu prends l'autre paquet qu'il y a là, tu en prends un peu et tu mets dessus. Donc elle sera perdue totalement quelque part. Et je ne peux pas retrouver ces deux cartes. Ça dépend comment, mais ça serait déjà fort. Est-ce que tu penses que j'aurais pu marquer à l'avance quelque chose qui correspond aux cartes que tu vas choisir et que tu vas placer dans un endroit bien précis qui est le hasard ? Si c'est vraiment moi qui coupe et qui mélange... Je ne toucherai jamais le jeu, à part à un moment bien précis, mais tu verras ce que je vais y faire. C'est balèze. Ça commence à être... Enfin, du moins, la présentation est bonne. D'accord. Alors, ce papier, j'étais en train de conduire, à la main droite, avec un hamburger, une canette sous le bras, et j'ai pensé à un chiffre, en roulant. Tiens, Jérôme, j'ai fait quoi ce soir? Et hop, vite, je l'ai marqué, j'ai pris un écrit, j'ai marqué. D'où le pare-brise. D'où le pare-brise qui est un peu cassé. Ça, c'est un petit détail. Donc, ce chiffre, ce que j'ai marqué là, je ne te dis pas ce que c'est écrit à l'avance. Il est là, je ne changerai rien. D'accord. Alors, on y va, parce qu'ils sont impatients, et moi aussi. Regarde bien, Jérôme. Ben, moi aussi. Tu vas couper à peu près moins que la moitié du jeu, parce qu'il faut qu'il reste des cartes sur la table pour jouer en plus, okay. Pour tout à l'heure. Donc, tu peux couper à 2, à 3, à 5, à 12, à 21... À 25, moins que la moitié, hein. Ouais, moins que la moitié. Tu peux couper à 5, à 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ouais. 18, 19, 20, 21, 22, c'est bon. Ça te plaît? Oui. Si ça te plaît pas, tu recoupes où tu veux. Ouais, tu regardes la carte du dessous. Je suis à moins que la moitié. Tu regardes la carte du dessous. Ok. Tu la montres à tout le monde. Je suis dans une position où je peux rien voir, hein. Non, mais je... Et comme j'ai dit tout à l'heure précédemment, tu mélanges. Donc là, je me retournerai à aucune manière parce que je veux pas que tu aies des embrouilles dans ta tête. C'est bon ? Effectivement, si... Est-ce que tu sais où elle est, toi ? Non. Ah, c'est bien. Donc je veux pas que tu saches pour pas que tu puisses me l'envoyer mentalement. Tu sais que moi... Donc tu poses le jeu à côté, là, n'importe où. Ok. Et tu prends connaissance de la carte que le hasard a positionnée sur le dessus. Tu la montres. Si elle te plaît pas, tu le remets dedans et tu mélanges. Si elle me plaît. C'est bon ? Tu la montres. Regarde pas, parce que en même temps, moi, tu regardes aussi le tour comme si tu le faisais au spectateur. Ok. T'as mélangé tout à l'heure, hein, le jeu. Oui. Tu remets la carte dessus, et tu vas prendre un petit paquet sur l'autre qui reste, mais tu m'en laisses quand même sur la table pour tout à l'heure. Donc tu prends un paquet de nombre que tu veux, tu le mets dessus. Donc je coupe n'importe où. N'importe où. Donc tu peux en mettre 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, d'accord ? Le nombre que tu veux. Okay. Donc cette carte, la deuxième, elle est perdue. Je ne connais pas sa position. Ah ben, là, elle est vraiment bien perdue, oui. Bien sûr. Alors, tu prends le dernier tas, je sais pas s'il en reste. Oui, et on va faire même une troisième carte, tiens. Mélange. C'est vrai que je t'ai pas demandé de mélanger le jeu tout à l'heure, donc mélange. J'ai oublié, donc c'est pareil. T'as mélangé, de toute façon, je t'ai vu, t'as mélangé. Aucun souci. Donc là, t'as remélangé. Oui. Et il va se positionner. Tu peux montrer le paquet à tout le monde, voir qu'il est normal.
Il n'y a pas de cartes bien précises, de toutes les mêmes cartes. Bah, au premier coup d'œil, non, ça a l'air d'être un jeu. Donc, tu mélanges, et arrivé à un moment, il va s'arrêter une carte dessous, le hasard, tu la mémorises. Une carte dessous, pardon. Si ça ne te plaît pas, tu remélanges, tu fais ce que tu veux. On s'en fout, du moment que le hasard a positionné une carte dessous, tu t'arrêtes et tu la montres à tout le monde. Ok. C'est bon, tu la montres. J'arrête de mélanger, je regarde la dernière carte dessous. Dessous, le hasard a fait que. Ok. Tu la connaissais pas, c'est bon, c'est le hasard. Pas du tout. Tu la montres. Et tu la poses dessus. Et je pose tout ça sur le jeu. On récapitule. Je vois que tu réfléchis. Bah, c'est. C'est balèze déjà. Oui. Parce que tu sais pas où je veux en venir, mais. Bah, tout à fait, c'est ça. C'est pour ça que je me demande comment tu vas les retrouver. S'il y a une des trois cartes qui correspond à une prédiction qui est là. C'est impossible. C'est impossible et c'est un miracle, si, parce que nous on est là pour faire des miracles. Oui, ça, bah, impossible. C'est... J'ai dit oui, que je ne touchais être, pas. Ça peut être possible, mais c'est, ça serait vraiment balèze. J'ai dit que je ne touchais pas le jeu, mais je fais juste ça. Mm. C'est juste pour embrouiller les choses. Je vais prendre le jeu, je vais l'étaler, et tu vas essayer de, comme ça, rapidement, voir le jeu en entier et voir si tu vois au moins une carte. D'accord. Si tu en vois deux, c'est bien, trois, c'est encore mieux. Mais tu regardes les manipulations que je fais, qu'il n'y en ait pas, d'accord ? On y va ? Ça va aller très très vite, hein. Je te dis pas ça, que tu vas... t'as pas le temps. On y va ? Ok ? Putain, j'ai tordu celle-là. Mais ça fait pas partie du jeu. C'est bon ? Est-ce que t'en as vu une ? Oui. Ah ! Mais c'est vraiment un coup de chance. Un coup de chance. Ben, c'est un coup de chance par rapport à où elle se trouve. D'accord. Donc imagine-moi que je connais pas. Oui, oui, ou alors c'est vraiment un miracle ce qui s'est passé, mais... Je t'ai parlé de ce petit bout là, petit bout de papier. On va le regarder. Prédiction. Si en regardant ce papier, je peux te dire déjà une carte, ça serait fort. Oui. Je peux te dire 4 de trèfle. Je vois du noir, je vois du trèfle, je vois 4 de trèfle. Tu allais direct, bam, 4 de trèfle. C'est la seule que j'ai vue. Ah, tu l'as vu aussi ? Elle est en première position. Ah ouais ? C'est pour ça que c'est... Pardon. C'est le hasard, hein. D'accord ? Ouais, c'est fort, parce qu'effectivement... Je peux t'en dire une autre. C'est... La dame de cœur. Je vois tout ça dans mon papier. Hein. C'est ça. Un miracle ! 4 de trèfle, il est bon. Dame de cœur, c'est bon aussi. Bon, en fin de compte, je vois surtout un chiffre ici, qui est le 22. Si tu prends un jeu, que tu comptes et tu tombes sur la dernière carte, c'est un vrai miracle. Ah oui. Ah oui. Alors on y va. Tu vois pourquoi le 4 de trèfle est là ? Ah oui, bah, comme ça a été mélangé, c'est vraiment le hasard. Mais non, mais c'est pour ça que je dis que c'est effectivement là totalement non. Le hasard. Alors, pour ceux qui vont peut-être acheter ce tour, la 4 de trèfle, que, elle peut être n'importe où. Là, c'est le hasard qui s'est mis dessus. Surtout mais... que c'est le premier paquet, donc oui, il peut être n'importe où. Ouais, t'aurais dû mélanger pour pas qu'elle soit perdue. Mais je savais pas. Bon, c'est pas grave, elle peut être n'importe où, bon là c'était un miracle. Mais je l'aurais trouvé quand même si elle avait été au milieu. C'est pour ça que j'en ai vu une. Maintenant, tu vas prendre les cartes une par une, comme ça. D'accord. Et tu vas les compter, donc là on en a deux, ouais. Trois, et tu vas jusqu'à... 22. Et ça sera la 22e carte que tu retourneras, et non pas la 23e, tu comptes la 20. Donc on est à 2. Alors, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Alors ça c'est la 21. Ça veut dire que dessous il y a 22. C'est dessous, il y a la 22e, il sait savoir ma carte. Ouais, c'est quoi ? Le 10 de cœur. Vas-y, pousse. 21, c'est celle-là ? 21. Oh là là ! Oh, bien ou bien ? Très fort. Très très fort, il n'y a pas d'idée là, il n'y a rien. Très très fort. J'ai vu un truc, mais... J'ai vu un truc, maintenant ça ne m'explique pas comment quand même tu le sais en si peu de temps. Ouais, t'as vu une bricole, mais tu peux... J'ai vu une bricole, mais bon, ouais, mais la façon de faire ça... Ça ne dit pas comment je trouve les trois cartes du début jusqu'à la fin. Aucune, rien. Non. Bien ou bien. À part ça, mais après, comment tu fais ? C'est là, il faut le balèze pour le remonter, celui-là. Eh ? Bah, très fort. Numéro 21, messieurs, dames. Très, très fort.
On passe à l'explication ou tu cherches encore? C'est vrai que c'est fort. Hein. La première, elle a été coupée n'importe où. T'as mélangé, mélangé, mélangé. J'ai mélangé tout le jeu. C'est sûr que tu peux pas. Hein. Et oui, je peux pas. Elle s'est retrouvée là, mais bon, elle aurait pu se retrouver là. Hein. Ouais, mais c'est dommage que tu l'aies mis au milieu. En plus, comment ça se fait qu'elle s'est retrouvée là et qu'elle s'est retrouvée dessus? Mais parce que c'est mon premier paquet. Ah, oui. Tout le reste est posé là, donc. Comment tu peux trouver la première? Ah ouais, bah c'est dommage, t'aurais dû. Ouais, mais tu peux pas le savoir. Parce que je t'ai dit de faire le hasard. Non, c'est fort. Je vais vous en trouver d'autres, mais pour l'instant, on reste sur celui-là. Ouais, c'est normal, c'est un cobalt. Donc c'est un monsieur sur internet qui m'a téléphoné, hein. Qui m'a donné la page d'un livre, c'est joli. Et j'ai voulu un peu l'améliorer. À part le 22 que j'ai vu, j'ai pas dit mélanger, que j'ai compris. Tu peux mélanger. Mais. Merde. C'est pas mal. Merde, je. Bon. Tu veux que je le refasse? Ouais. Je le refais. Ouais, j'ai fait tomber le jeu. Pour gagner du temps. Bon, en plus, je sais que t'aimes bien les tours avec. Je le refais le même. Avec des. Je te fais la prédiction. Des montages ou des machins comme ça, mais même, comment c'est possible? Non, on s'en fout des montages, regarde. Non, je te fais même la prédiction maintenant. C'est fort. Je marque pas 22. Tu veux la garder? Ouais, je l'ai vu ce que t'as marqué. Ah, tu l'as vu? Ouais. Mince. Bon, ça fait rien. Au moins, ça te fait réfléchir dans toute la routine. On refait pareil, j'ai même pas besoin de t'expliquer. Regarde, coupe le jeu n'importe où. Où tu veux, moins 26. Moins 26. Attends, moins 26, tiens, je vais couper. Tu veux comme tu là. Veux. Là, c'est bon, je suis à moins de 26. C'est bon? Ouais. Regarde la carte, elle te plaît? Non. J'en ai coupé une de plus, rien que quand on était. Tu fais ce que tu veux, c'est attends, bon. Remarque, je sais pas ce que je suis à moins de 26. Non, fais ce que tu oui, veux, c'est on bon. S'en fout. C'est bon? Oui. Tu la montres? Ouais. C'est bon? Tu la montres? Tu mélanges, tu mélanges, tu mélanges? Décidément, j'ai de la chance, moi, faut que je joue l'auto. C'est pas la même, hein? C'est pas la même, non. Mais bon. Tu mélanges, tu mélanges, tu mélanges. Je mélange? Ouais, ouais, ouais. Cette fois-ci, tu vérifies qu'elle se retrouve pas dessous? Non, elle est pas dessous. Elle se retrouve pas dessus non plus? Non. Donc, tu veux choisir celle du dessus ou tu veux encore. Non, je veux mélanger parce que c'est. Ou alors tu la prends, tu la mets en plein milieu jusqu'à ce que la première elle te plaise. Allez, ça me plaît ça. Putain. Décidément. T'en choisis une au hasard. On est dans la même, on est dans la même configuration de tout à l'heure. Tu la montres à tout le monde. Ah, c'est exactement pareil. Ben là, je choisis, c'est encore mieux. C'est bon? Oui. Tu la mets dessus? Oui. Tu prends un paquet, tu poses dessus, c'est vraiment pour la perdre? Allez, tiens, je vais faire différent tout à l'heure. Voilà. Je vais pas t'en laisser beaucoup. Tu prends le qui reste et tu mélanges, tu mélanges, tu mélanges. C'est vrai que c'est fort. C'est fort, hein? Ouais. Condition de malade! Ok. Et tu remets pas. Tu prends la carte du dessous, tu la montres. Je m'en tourne. Hein. Bah tiens, on va garder celle-là. Voilà. Et tu poses dessus. Ouais, c'était ça le jeu. J'aurais pu choisir différentes. Non, tiens, je change. Fais ce que tu veux, on s'en fout. C'est mieux si c'est le hasard. Comme ça, on peut pas penser allez. Que. Ah, bah alors je le fais. Fais le hasard. Non, fais le mélange et tu fais le hasard. Ah, je fais le hasard. Bah si je peux faire n'importe quoi. Allez, ça, hop, c'est mélangé. Allez, c'est bon. C'est bon? Et tu mets dessus. Ok. Donc c'est cette dernière carte que vous mémorisez. On refait comme tout à l'heure, on étale. De toute façon, le chiffre, il change pas. C'est vrai que maintenant, de le revoir deux fois, je me demande comment tu peux la retrouver, rien que celle-là. On étale? Tu essaies d'en retrouver une, hein, au moins. Ben, je vais... Je vais vite? Ouais. Oui, j'en vois qu'une. T'en as vu aussi? Ben, qu'une, la dernière. Je regarde mon papier. Deux trèfles. Huit de pique. C'est ça. Bien. Et là, tu avais marqué quoi? Bah, j'ai vu que tu avais marqué. Regarde ce qu'on va faire. Tu vas essayer de la retrouver, toi. Tu prends ça. Et tu sais que ta première carte, elle se retrouve dans la première moitié, donc vers là. D'accord. Tu la mets où tu veux. Si c'est toi qui la retrouves, c'est bien. Pourquoi tu réfléchis? Mais là, on s'en fout. T'as vraiment mis à. Mince, c'est quoi?
C'est ça là, hein? Oui. J'aurais pas dû faire ça. C'est bon, c'est sûr que c'était ça là? Oui, c'est ça là. Ça te donne une indication ou pas? Attends, je sais même pas ce que c'est ma... La dernière? Tout le monde l'a vu, hein? Oui, je sais ce que c'est. Bon, j'y étais plus. Elle me donne une indication, cette carte? Ouais. Non. Non? Non. On refait-le. Tu la remets n'importe où. Mais là, n'importe où, ben, on s'en fout. Elle est là. Voilà. Est-ce que là, ça t'en donne une? Pas du tout. C'est le hasard ou pas? Ah ben, par rapport à... Ça, c'est le hasard ou c'est pas le hasard? Le 4 de pique? Ouais. Ah ben oui, ça c'est le pur hasard, oui. On compte ou pas? Q-U-A-T-R-E. Oui. P-I-Q-U-E. À côté du 5, il y a une carte. Mm. C'est pas la tienne? Non. Non? Ah. On va quand même compter 25 alors. Parce que moi je croyais qu'en comptant 4 de pique, ça allait tomber. Quel embrouille. Alors on compte 1, 2, ah c'est quoi ça? Je sais pas. 1, 2, 3, 4. Ah ben c'est après un jeu. Ouais, oui. Au hasard. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. C'est 4 de. C'est ça là? C'est ça. Alors pourquoi j'ai compté? Ah ouais, mais peut-être parce que ça n'a pas marché. 1, 2, 3, 4. P-I-Q-U-E. Oui, c'est pas qu'à... Ah, donc on est bon? Oui. Oh, je sais pas si vous voyez la caméra. C'est un miracle. De toute façon, elle était en 25e, je l'avais marqué. Oui, ben ça, c'est un miracle. Hein. Comment c'est un miracle? Parce que tout à l'heure, je l'ai mis là. Oui, mais... D'ailleurs, je l'ai mis à côté, d'ailleurs. T'as mis à côté du... Ouais, mais tu m'as dit que c'était que ça te disait rien. Oui, oui, c'est sûr. Non, mais 25 ou pas 25? Oui, ça, j'avoue. Est-ce que 25, on tombe sur le 7 de cœur? Oui. Est-ce que si tu écris 4 de pique, tu tombes aussi sur le 7 de cœur? Oui. Voilà. Je sais pas si on voit la caméra. On est 4, il est là. Q-U-A-T-R-E-P-I. Oui, mais tu les as enlevés. Ouais, je les ai enlevés. Et on tombait pique sur le 4 de cœur. Alors là... Ouais, bon ça, ok, mais le 25, c'est balèze. Je l'ai marqué à l'avance. Eh oui, je l'ai vu. T'as coupé n'importe où. C'est fort. Bon, je peux lui refaire d'une autre façon, mais on va pas passer la nuit dessus. Hein. Allez, explication. Je te vois dans un état pas possible, lamentable. Allez, c'est parti. Mais c'est parce que moi j'ai vu le premier trucage, entre guillemets. Donc du coup, je me dis, tiens, pourquoi le... C'est vrai que là, t'as rien vu, parce que j'ai marqué à l'avance, machin, j'ai coupé, machin, c'est toi qui as mis la carte, c'est toi qui as trouvé l'indication. Ouh, allez, on y va, regarde, c'est impatient. C'est balèze, c'est très fort. Allez, je sais pas c'est quoi ces cartes qu'il y avait là. C'est un jeu... C'est un jeu violet avec la carte... Ah oui, c'est un jeu violet, il y a des cartes en plus comme ça là. Mais bon, ça veut dire que s'il y a des cartes en plus, ça marche quand même. C'est le jeu purple. C'est le jeu purple. Bon allez, Jérôme, mets-toi derrière la caméra, on va faire l'explication.